Le voilà, le voici, Mawatik. Lui aussi, nouvel étalon au nouveau O'Hara 2 tiercé chez Nicolas Lemeunier à Tiercé. Comme son nom l'indique, non loin d'ici, à un quart d'heure du Lyon-d'Angers. Mawatik, un ancien représentant Shadwell, comme je vous le disais tout à l'heure. Shadwell qui l'a beaucoup soutenu pour, dans ses premières années de monte. Mawatik fait partie de la dernière génération, l'ultime génération du champion, du chef de race Danzig. Il est rentré étalon il y a quelques années déjà. Ses premiers produits sont gagnants. Et il a tout simplement une génétique exceptionnelle. Son père c'est un fils, est Danzig, ni plus ni moins. Et son grand-père, c'est Monsieur Prospector. Et c'est aussi le neveu de Naïef, le neveu de Nashwan, ainsi que de Unfawain. Naïef qui s'est encore illustré l'an dernier dans les groupes 1. C'est le père d'Icebreeze, lauréat du prix du cadran, lauréat du prix Royal Oak, pardon. Et ses sœurs, Amawatik, se sont elles aussi illustrées au plus haut niveau, comme Ganahati, sa championne de sœurs, qui avait gagné les 1000 Guinées, les Coronation Stakes en 2009 déjà. Elle est aujourd'hui poulinière pour Sheikh Hamdan Al Maktoum. Un cousin de Laudod également, elle aussi gagnante de groupe 1 sous la casaque de Sheikh Hamdan Al Maktoum. Donc pour la casaque, Shadwell, qui est à son tour a produit une gagnante de Listed, une famille vivante. Pour ce Mawatik, un petit mot sur ses performances. À 3 ans, il comptait 2 victoires à Newmarket et à Ascot. Et à 4 ans, il est gagnant de groupe 3 à Ascot sur 2400 mètres en battant Campanologist, un cheval de groupe 1. Mawatik, 2000 euros la série, O'Hara de Tiercé.